We sing hallelujah.
Bonjour à tous. Nous pouvons nous mettre debout pour accueillir le Christ ressuscité au milieu de nous et en chantant ses louanges. Alléluia, alléluia pour le grand roi d'Israël. Alléluia, alléluia, magnifie ton Dieu. Alléluia. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, nous vivons dans cette joie de la résurrection du Christ, pas simplement ce week-end qui vient de se passer, mais chaque jour de la semaine qui vient. L'Église nous invite à accueillir cette joie et cette paix du ressuscité tous les jours, comme si c'était aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui qu'il est ressuscité. Et c'est aujourd'hui que nous accueillons la réalité qu'il est parmi nous, le vivant, au milieu de nous. Alors vous voyez, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire aussi que ce qu'on vit maintenant, c'est le début. Parfois, après le long temps du carême, on se dit « ça y est, je suis enfin arrivé à Pâques ». Ouf, c'était bien pas difficile. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut dire, ça y est, ça débute, le Christ est ressuscité, ma vie commence, ma nouvelle vie commence en lui, et j'ai 50 jours pour apprendre à marcher sur le chemin du ressuscité. J'ai 7 octaves pour apprendre à accueillir cette résurrection. Et je veux vous le dire parce que ce soir, nous allons encore avoir une annonce du président et du gouvernement. Et j'aimerais que ce qu'on célèbre maintenant ne va pas s'arrêter à 22h. Quand on aura eu toutes ces annonces, qui sont certes difficiles à vivre, et c'est la réalité. Mais la réalité du ciel est aussi assez importante parce que c'est la réalité de la terre plus profonde. Et nous sommes invités à accueillir cette résurrection du Christ. Et vous savez aussi que nous avons à vivre, on est lundi. Et j'aime bien parce qu'on n'est pas dimanche, vous voyez, on est lundi, c'est-à-dire que quand on va au travail, des fois, on fait que ça va comment ? Ben, ça va comme un lundi. Et bien que ça aille comme un lundi de Pâques. Et le lundi, frères et sœurs, c'est la Galilée. C'est le lieu où tu retournes le lundi. Bon, là, on ne travaille pas, mais tu retournes au travail. Enfin, on ne travaille pas aujourd'hui. Demain, beaucoup d'entre vous travaillez, et nous aussi. Mais voilà, qu'en fait, on aille dans notre Galilée. Jésus nous précède en Galilée. C'est le lieu de notre quotidien. Et c'est le lieu où il veut manifester sa résurrection, dans notre quotidien, pas juste à l'église pendant un week-end de Pâques et après on tourne la page, on passe à la vie du monde. Non, la vie du monde, c'est la vie du ressuscité. Alors je vous invite, on va chanter ce chant, peut-être vous ne le connaissez pas du tout et sûrement vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Ça dit « Galilée, Galilée, je viens de la Galilée ouais, ». Enfin, Jésus nous précède en Galilée et vous allez chanter ce chant avec nous pour que notre semaine, que notre Galilée, notre quotidien, soit d'abord empreint du Christ ressuscité. Alors on va chanter ce chant ensemble de joie et de paix et de vie.
Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Est-ce qu'on peut faire les gestes avec Luc? On va essayer, on est des super chorégraphes. Et on va essayer de faire les gestes. Et vous allez les faire avec nous. Et les enfants, n'hésitez pas à faire avec nous les gestes. Enfin, quand je dis les enfants, les ados, ça vous concerne aussi. Et en fait, on est tous des enfants de Dieu. Hein, donc en fait, ça concerne tout le monde. Donc on peut reprendre avec les gestes. Je suis pressé de voir les gestes. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Humblement, comme dans chaque Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur. Demandons pardon pour tout notre manque à croire, notre manque à entrer dans cette joie et cette paix. Demandons pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble la gloire du Seigneur. Gloire.
gloria, in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo. A fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous asseoir, pour écouter la parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet,
C'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui a été promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite,
elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ces jours de Pâques, on n'a pas envie de parler, on a envie seulement de vivre, de célébrer ce mystère qui nous est donné, cette joie de la résurrection. Et pendant cette octave de Pâques, comme nous le disait le Père Arnaud, nous sommes invités vraiment à prendre le temps de réaliser ce qui s'est passé, de le goûter. C'est comme un point d'orgue qui va durer pendant 8 jours, puis pendant tout le temps pascal aussi, bien sûr, pour accueillir cette nouvelle énorme qui nous dépasse complètement, cette nouvelle de la résurrection. Et vraiment, dans ce temps de Pâques, il y a quelque chose qui s'ouvre, les temps s'ouvrent pour nous, le cœur de Dieu aussi s'ouvre de manière particulière pour nous faire entrer dans ce mystère, pour nous y plonger. Et puis, sans doute que ce qu'il veut nous donner en particulier, c'est de renouveler l'amour en nous. Ce qui nous a été manifesté, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu pour nous par la mort de Jésus. C'est son témoignage d'amour. Et donc, juste après cela, c'est comme une aspiration qui veut aspirer notre amour. Et donc, c'est cela qui nous est donné de pouvoir revivre, renouveler de manière particulière en ce temps de Pâques. Alors, nous pouvons prendre le temps de réaliser ce qui s'est passé, en tirer les conséquences, voir comment cela doit entraîner toute notre vie, toutes nos actions. Nous pouvons écouter Pierre, faire comme lui, relire l'enchaînement de ces événements, cette condamnation, cette mort infâme, et puis enfin la vie qui a jailli. C'est vrai, tout s'est passé très vite pour nous, pour les disciples, et puis aussi pour les habitants de Jérusalem qui, sans doute, pour beaucoup, n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé après qu'ils aient acclamé ce Jésus qui entrait dans leur ville, nourrissant leur joie et leur espérance. Nous aussi, nous sommes peut-être invités à nous considérer comme les habitants de Jérusalem pendant ces jours-ci. Et les habitants de Jérusalem, ils sont confrontés à 2 témoignages. Il y a d'abord ce témoignage de Pierre que nous avons entendu dans la première lecture, invité à relire le début des Actes des Apôtres en ce temps de Pâques. Pierre qui donne un message qui est brûlant de cet amour de Dieu. Et quand on entend ce message, vraiment notre cœur devient brûlant de cette joie de Pâques, devient brûlant de cet amour de Dieu lui-même, Dieu qui brûle de nous aimer, Dieu qui brûle de nous sauver,
Jésus a manifesté l'urgence et la nécessité de l'amour pour nous-mêmes. C'est fou de considérer combien Jésus aurait pu se soustraire à la mort, mais comme le dit le psaume, il n'a pas voulu nous abandonner au séjour des morts. C'est à la fois le Père qui n'a pas voulu abandonner son Fils au séjour des morts, mais aussi Jésus qui n'a pas voulu nous abandonner, nous, au séjour des morts. Il était face à ce dilemme, ce terrible dilemme, soit se soustraire à la mort et nous abandonner, faire que l'amour s'arrête entre le Père et le Fils, soit se livrer pour que nous aussi, nous puissions tout de même, malgré le mal, malgré la crucifixion, à notre tour enfin, entrer dans cette dynamique de l'amour, nous repentir et choisir d'aimer comme lui. Et puis, à côté de ce témoignage de Pierre, ce témoignage des disciples, qui commencent à se laisser gagner par cette bonne nouvelle et à en rayonner, il y a aussi le témoignage du père du mensonge, qui essaye toujours de diffuser le doute, même s'il a déjà perdu. Il diffuse le doute par le mensonge, et puis aussi simplement il essaye de nourrir notre indifférence. Il noie le poisson, on pourrait dire. Jésus, l'offrande de sa vie, c'est comme si elle était encore noyée après avoir été crucifiée. C'est comme si le mal essayait de noyer tout cela, noyer l'amour dans une confusion, dans une indifférence. Et c'est peut-être une plus grande douleur encore pour Jésus, de voir l'indifférence qui dure encore, qui le crucifie encore. Comme le dit le psaume, leur cœur est en fête, notre cœur est en fête ces jours-ci, mais d'autres tentent de refroidir notre cœur. Le mauvais esprit va essayer de refroidir notre cœur. Et donc tout l'enjeu de cette semaine, de ce temps de Pâques, c'est de ne pas le laisser refroidir, de garder notre cœur de l'indifférence durant ces jours de fête. Gardons notre cœur de l'indifférence. C'est l'indifférence qui nous tue, c'est ce cancer de l'indifférence qui nous menace. Et c'est vrai, on est dans la banalité de notre quotidien. Nous allons rentrer dans notre Galilée, la Galilée de notre quotidien. Et ce qui nous menace, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle tue l'amour. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes confinés et nous n'avons pas la bonne conscience de pouvoir faire des bonnes œuvres pour aimer nos frères, autant qu'on le voudrait peut-être en allant les uns vers les autres, puisque Jésus nous invite à aimer. Alors nous avons nos proches que nous pouvons aimer, manifester l'amour autour de nous, mais nous pouvons peut-être du coup, cette année d'une manière encore plus particulière, manifester de l'amour pour Jésus lui-même, pour Dieu lui-même. Il faut que nous sortions de l'indifférence, puisque nous avons peut-être davantage de temps, puisque nous sommes plus enfermés, eh bien il faut que nous manifestions de l'amour pour Jésus. Nous, ici, ce qu'on choisit de faire, c'est de louer le Seigneur, et pour nous, c'est vrai que c'est une merveilleuse école pour aimer Dieu. Et peut-être nous serons très heureux si vous pouvez vivre cette école avec nous durant toute cette semaine, si ça peut vous aider à manifester de l'amour pour Dieu. Il faut que pendant cette semaine, pendant ce temps de Pâques, on réapprenne notre langage de l'amour pour Dieu. C'est vrai, on se sent tellement parfois ridicule quand on cherche à aimer, et en particulier quand on cherche à aimer Dieu. Il faut qu'on laisse tomber toutes ces barrières, tous ces mensonges, ces impressions de ridicule, tous ces masques, c'est tout ce qui nous paralyse.
Voilà, qu'on regarde ce Christ qui, lui, a pas eu peur d'être mis à nu pour que nous puissions nous-mêmes entrer dans ce courage de l'amour. Jésus nous en a manifesté toute l'urgence, toute la nécessité pour nous. Et c'est maintenant le temps de Pâques, le temps d'accueillir la vie, d'accueillir ce don de la vie de Jésus. Alors, à quoi nous consacrons nos vies ? Est-ce que nous consacrons nos vies à acquérir une maison ou peut-être un jour un agriculteur plantera une éolienne juste à côté ? Ou est-ce que nous choisissons que notre vie soit d'abord consacrée à manifester l'amour du Christ ? Nous avons tout le temps de Pâques pour choisir d'aimer. Amen. Avec ce pain et ce vin, nous offrons nos vies au Seigneur pour que nous puissions aimer, accueillir avec la résurrection et, comme nous a dit le Père Luc, vivre de cet amour. Je suis né pour te louer. Je suis né. Ce pain et ce vin, nous te déposons sur cet autel tous ceux que nous portons dans notre prière, tous ceux qui aujourd'hui sont durement touchés par cette épreuve, tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui ont besoin de ta lumière, de la lumière de ta résurrection. Te déposons toute cette épidémie, pandémie qui frappe notre monde. Que tu viennes, Seigneur, apporter par ta paix, par ton esprit de sainteté. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Renouvelées par la foi et le baptême qu'ils parviennent au bonheur sans fin,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi.
Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es témoin. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque et Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions Anne, te confions les personnes qui sont mortes pendant ce temps de fête de Pâques. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette joie d'être des enfants de Dieu, nous pouvons ensemble, là où nous sommes aussi, dans nos familles ou là où nous sommes seuls chez nous, chanter cette prière que Jésus nous a donnée, cette prière qui fait de nous des fils et des filles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, accueillons et partageons cette paix du ressuscité. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, avec le Christ ressuscité, avec les pèlerins d'Emmaüs, nous sommes invités à reconnaître Jésus ressuscité dans la fraction du pain. Bien sûr, nous le reconnaissons dans la communion, mais nous le reconnaissons aussi quand il partage son corps et son sang avec nous. Par le partage de son corps et son sang à la croix et à la résurrection, il nous donne sa vie. Avec les pèlerins d'Emmaüs, reconnaissons chez nous cette présence du ressuscité et communions à sa présence, que notre cœur soit tout brûlant, tandis qu'il est avec nous, qu'il nous partage sa parole et se donne à nous. Amen. Je veux t'adorer, toi seul.
de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut, aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, quelques annonces paroissiales pour notre semaine. Voilà, nous avons, donc on vous donne rendez-vous dès ce soir à 18h30 pour tous les soirs de la semaine pour vivre ensemble ce temps de louange. On aurait bien aimé continuer là dans la louange, mais on vous propose de se retrouver à 18h30 pour vivre la louange. C'est quoi la louange? C'est Alléluia, c'est louer Dieu. Quand on dit Alléluia, c'est pas un mot, en fait, ça devrait être un chant, ça veut dire louer Dieu. Et quand on se dit Alléluia, on dit tiens, loue Dieu. Mais en fait, on le fait pas souvent de louer Dieu. Donc on vous propose de nous habituer à louer Dieu avec un temps à 18h30 cette semaine particulier de louange. De 18h30 à 19h15, on va ensemble louer le Seigneur. Vous savez que nous sommes confinés ensemble. Nous, depuis 4 semaines, personne n'est rentré ici. Nous sommes confinés à 8. On habite au presbytère sur 3 étages.
et nous animons tout et nous préparons tout ensemble. Donc je remercie encore tous ceux qui ont accepté de se confiner avec les prêtres. C'est une lourde tâche, mais ils l'ont bien relevé pour l'instant. Donc un grand merci de votre générosité et vraiment qu'on puisse vivre ensemble cette louange. Donc à 18h30, 18h30 à 19h15, tous les jours de la semaine, louons le Seigneur. Alléluia. Et puis on vous donne rendez-vous aussi le matin à 9h pour notre messe à 9h et l'adoration à 9h30, ce temps de prière de 9 à 10 le matin. Et puis vous savez que mardi soir, ceux qui veulent, il y a ce groupe de prière avec la mission jeune à Lyon, de la communauté du Chemin Neuf. Et puis dimanche prochain, il y aura la messe à 11h sur le jour du Seigneur et à l'abbaye d'Hautecombe, et à 19h ici même pour la miséricorde divine. Préparons nos cœurs pour cette grande fête de la miséricorde divine dimanche prochain. Voilà, nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Louez Dieu. Bonne semaine de Pâques. Alléluia. Jésus est vivant. Acclamons notre roi. Il règne sur l'univers. Dieu.